C'est un homme de passion. Les portes s'ouvrent dès qu'on dit Antoine Campagnol au niveau du Festival du film italien partout en Europe. Pour soutenir, alors pas seul hein, bien sûr, mais à bout de bras, un festival comme celui de Villerue, oui, il faut être passionné. Le prochain film qui suivra est Gioiellino. Bonne séance, puis je crois qu'il est prêt, donc il va démarrer. Et à tout à l'heure. Antoine Compagnon, fils d'un immigré italien qui, à la fin des années 40, traversa les Alpes à pied. Arrivé sur Hayange, le choix de Villerue est fait. La famille Compagnon a amené son morceau d'Italie en terre lorraine, comme tant d'autres à cette époque-là. Milieu des années 70, le ciné-club de Villerue programme pour divertir. Du cinéma fantastique, du cinéma polonais, mais aussi des films italiens. Troiani, Rizzi et consorts vont créer un engouement auprès de la population. Les mamas se retroussent les manches et les plus jeunes font éclore l'idée de créer un festival. Banco. Ce festival a démarré en 76 et je ne l'ai intégré qu'en 81. Donc en tant que bénévole. Antoine est arrivé au deuxième festival du film italien et dès qu'il est arrivé, il a commencé vraiment à s'intégrer à fond. Et grâce à lui, le festival a pris l'évolution qu'il a actuellement. Si ce n'est qu'en 84, j'ai appris à faire de la projection. Et en 86, j'ai commencé à travailler la programmation et du festival et du cinéma Rio. Antoine Compagnon a reçu sa culture cinématographique par son père qui l'amènera chaque dimanche au cinéma, voir des westerns, des séries B, des péplums. C'est donc tout naturellement qu'il rejoint l'équipe organisationnelle du Festival du film italien de Villerue. Au fur et à mesure des éditions, il apprend et se rend essentiel. Je crois qu'on a changé complètement la physionomie du festival. De 25 films, on est passé à plus de 60 films. Aujourd'hui, le festival de Villerue est reconnu comme un festival de cinéma. L'identité du festival n'est pas cette identité de l'immigration. On est aujourd'hui sur une politique de connaissance du cinéma italien. Sur les 40 films inédits qu'on a, il y a au moins plus de la moitié, 60% des films que les gens ne verront jamais sur les écrans français. Villerupsiens et Villerupsiennes dressent les contours identitaires du festival. Et pour mener à bien leur action, trois enfants du pays vont incarner l'esprit de cette mobilisation. Antoine Compagnon, en qualité de délégué général, Oreste Sacchelli, à la direction artistique, et Yves Cardellini, à l'organisation. Nous sommes trois permanents tout au long de l'année avec une dizaine de bénévoles qui travaillent toute l'année. Et au fur et à mesure que le festival se rapproche, et l'équipe professionnelle et l'équipe bénévole s'agrandit. Quand il y a quelque chose qui lui plaît, qu'il faut faire, il se donne à 300% en fait. On est parfaitement complémentaires. On a deux visions concomitantes du cinéma, mais on tombe d'accord. On tombe d'accord aussi bien sur la vision exploitation, je dirais, que sur la vision, disons, plus artistique ou plus esthétique du cinéma. Au fur et à mesure des éditions, le festival gagne en visibilité, évolue au gré des réalités du cinéma transalpin. Mais pour le faire s'amarrer à la rive du succès, c'est un métier de tous les jours, confie Antoine Compagnon, à qui il arrive, grâce au festival, de retraverser les Alpes, comme jadis son père l'avait fait. Le premier travail, c'est de trouver des partenaires, sponsors, les relations avec les institutionnels aussi, aller rencontrer la région, les départements, le CNC. Là, ça va être très important au mois de décembre d'aller rencontrer le CNC à Paris pour le numérique. L'année dernière, nous sommes allés rencontrer la Film Commission de Campanie à Naples. Donc il y a quand même quelques déplacements qui sont très importants pour le festival. La région en elle-même nous soutient très fortement. La preuve, c'est que ce soir, il y aura 6 personnes de la région qui seront présentes à la remise des Amilcar. Quelque part, il y a une reconnaissance et du président, du vice-président et de ses conseillers qui nous ont toujours aidés. Interagir, serrer des mains, trouver des partenaires, voilà l'émission qui incombe à Antoine Compagnon, qui doit faire face aujourd'hui à l'obligation de moderniser le matériel de projection et les salles. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour avoir cette salle de 400 places qui ferait qu'on serait un peu moins stressé au niveau des entrées. Si on n'a pas cette nouvelle structure, le festival est en danger, mais aujourd'hui il est deux fois plus en danger parce qu'il y a le numérique aussi. Gérant du complexe Utopolis de Longwy, représentant du pôle de l'image de Villerue, délégué général du Festival du film italien, Antoine Compagnon, en bon cinéphile, ne voit aucune mission impossible. Car le rideau sur l'écran de sa passion n'est pas prêt de tomber.